Some folks just love to watch TV. All those commercials sure do annoy me. I love a good book, and if I choose, I'll read it all in one go. If I couldn't read, I wouldn't know half of what I know. I'll read standing up, sitting down in the tub, on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Some guys just love a game of poker. Me, I don't know the difference between a jack and a joker. But when you read a book by Mosley, man, you can't lose. Yes, I'm talking about Walter, Rudolph Hill's blues. I read it standing up, sitting down in the tub on the train. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Shakespeare. Some folks wild about their Langston Hughes. Some folks just love to read the Bible and shout out the news. As a child, I love my Hardy Boys and my Nancy Drews. I'd read standing up, sitting down. Kids used to call me the brain. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. I'll read standing up, sitting down in the tub on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Alors, bienvenue sur Radio Coco. Aujourd'hui, je vous propose 5 livres à lire ou à relire au mois d'avril. Alors, quand j'ai préparé ça, j'ai essayé de varier les styles, d'en mettre pour tous les goûts. Mais après, le but, ça reste quand même de découvrir de nouveaux auteurs et de sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, on va parler de 5 livres d'auteurs contemporains. C'est des livres que j'ai lus plus ou moins récemment, mais qui m'ont tous marqué et que je conseille vivement. Donc pour commencer, ça va être un grand classique avec le Da Vinci Code de Dan Brown. Publié en 2003, c'est un thriller dans lequel on suit les aventures de Robert Langdon, un professeur de symbologie américain. On retrouve les aventures du professeur dans 5 livres, mais le Da Vinci Code est probablement le plus connu. Donc pour résumer un peu l'histoire, l'intrigue commence avec l'assassinat de Jacques Saunière, conservateur du musée du Louvre à Paris. Et avant de mourir, Saunière, il écrit sur le sol avec son sang de retrouver Robert Langdon. Donc évidemment, le professeur va être soupçonné du meurtre, mais Sophie Neveu, la petite fille du conservateur, elle pense au contraire que Langdon va pouvoir l'aider à trouver le vrai meurtrier de son grand-père. Donc à travers le livre, il tente d'échapper à la police tout en décryptant petit à petit les indices laissés par Saunière. Et rapidement, on se rend compte que l'affaire n'est pas seulement celle d'un assassinat, et on plonge dans un monde de mystères, de confréries et de secrets d'église et d'histoire. C'est vraiment super intéressant. On apprend beaucoup, même si les faits sont pour la plupart interprétés et romancés. C'est vraiment le genre de roman que l'on lit d'une traite tellement l'histoire est prenante. Je conseille vraiment ce livre parce que ce n'est pas seulement une enquête comme on a l'habitude de lire. Et parce que Dan Brown, l'auteur, il surfe sur des sujets controversés de l'histoire et nous emmène dans des mondes vraiment secrets. Mais je ne vais pas trop en dire parce que maintenant, c'est à vous d'aller le lire. Et le livre a été adapté au cinéma avec Tom Hanks, Audrey Tautou et Jean Reno. Mais comme souvent, il est loin d'être à la hauteur du livre. Après une pause musicale, je vous parle d'un roman de Terry Hayes, Je suis pilgrim. Et on écoute un morceau de Hans Zimmer, extrait de la bande originale du film Da Vinci Code.
de retour sur Radio Coco à Saint-Pierre. Donc, comme je vous le disais avant la pause, on va désormais parler d'un roman de Terry Hayes, Je suis Pilgrim. C'est son premier roman. Il est sorti en 2013 au Royaume-Uni et en 2014 en France. Donc, ce roman s'inscrit à tous les niveaux dans l'air du temps, et un petit peu malheureusement d'ailleurs. C'est un roman d'espionnage qui met en scène la traque d'un terroriste par un certain Pilgrim. Donc, toute l'intrigue tourne autour de ces deux personnages qui sont absolument fascinants. D'un côté, on a Pilgrim, le meilleur espion des services secrets américains, et de l'autre, un fanatique religieux, intelligent, déterminé et très organisé. Concernant l'histoire, je ne peux pas vraiment vous en dire plus sans spoiler, donc je vais m'arrêter là et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous conseille ce livre ? Déjà parce qu'il est vraiment prenant. C'est un roman de plus de 900 pages, mais l'auteur nous tient en haleine du début à la fin. C'est impressionnant. L'histoire est captivante, terrifiante, pleine de suspense et de tension. Ensuite, elle se passe dans un monde contemporain et soulève des problématiques actuelles tout en présentant un espionnage version 21e siècle dans un monde post-11 septembre. Tout est crédible et on en vient à espérer que des vrais pilgrims nous protègent. Une petite pause musicale et on revient avec un recueil de nouvelles. Je vous propose d'écouter Little Green Bag de George Baker. Avec un recueil de nouvelles de Sylvain Tesson, Une vie à coucher dehors. Sylvain Tesson, c'est un auteur, mais aussi et surtout un aventurier, un explorateur des temps modernes qui parcourt le monde à pied, à vélo et à cheval. Ses voyages inspirent ses livres et alimentent ses réflexions. Il nous fait faire le tour du monde tout en restant dans notre fauteuil. Une vie à coucher dehors est paru en 2009 et a reçu le prix Goncourt. C'est un recueil de 15 nouvelles qui prennent place dans diverses régions du monde, dans des univers très différents les uns des autres.
Ces nouvelles changent des récits de voyage auxquels l'auteur nous a habitués, mais néanmoins il excelle également dans ce style littéraire. Il s'agit de 15 nouvelles plutôt pessimistes qui remettent l'homme à sa place et qui nous conduisent à une introspection et une remise en cause de nos actes dans le monde. C'est un recueil très intéressant duquel on peut tirer énormément d'enseignements. Et je le conseille vivement, particulièrement en ces temps de crise, car c'est le genre d'ouvrage qui nous pousse à d'importantes remises en question. Je vous propose d'écouter Walk of Life de Dire Straits et ensuite je vous parlerai d'un roman absolument incontournable. Comme promis, je vous parle d'un roman absolument incontournable. Pour les plus jeunes ou pas d'ailleurs, je conseille évidemment Harry Potter. Pour ma génération, c'est vraiment un livre fascinant et je pense qu'il est vraiment indémodable. Si beaucoup ont vu les films, je conseille les livres. Évidemment, commencez par le premier et vous allez très probablement être tenté de lire la suite. C'est un roman de J.K. Rowling. Donc le premier, c'est Harry Potter à l'école des sorciers qui est paru en France en 1998, déjà. Donc, est-ce que je dois vraiment faire un résumé ? Donc, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui voit sa vie changer le jour de son 11e anniversaire alors qu'il reçoit une lettre lui apprenant qu'il est sorcier.
Il va donc étudier à Poudlard, une grande école de sorcellerie, et découvre un univers parallèle à celui des humains. Le monde des sorciers créé par l'auteur est tout simplement fascinant. Tout a été pensé dans les moindres détails. Je recommande vraiment cette lecture pour les plus jeunes, mais aussi pour tous ceux qui veulent retomber en enfance. Et d'ailleurs, si les premiers livres ont un côté quand même un peu enfant, adolescent, la suite est vraiment tout public. Alors, une page musicale et je vous retrouve avec le dernier livre de ma sélection, Petit secret et grand mensonge. Je vous propose donc d'écouter le thème de Harry Potter interprété au violon par Taylor Davis. On se retrouve avec un roman de l'Australienne Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge. Dans les romans de Moriarty, les personnages nous ressemblent et évoluent dans des univers qui rappellent notre quotidien. C'est un trait particulier de ces romans que je trouve particulièrement intéressant parce qu'on peut s'imaginer dans l'intrigue. Enfin bon, Petit secret, grand mensonge, c'est l'histoire de Jeanne, une jeune mère célibataire qui vient d'emménager à Sydney. Elle rencontre Madeline et Céleste qui la prennent rapidement sous leur aile. Dès le début du roman, on apprend qu'un drame s'est produit à la fête de l'école, mais on ne sait pas qui est le mort ni le coupable. L'histoire se déroule alors à rebours, et petit à petit, l'auteur nous livre les coulisses du drame à travers la vie des trois femmes. Avec subtilité et humour, Moriarty aborde des thèmes plus ou moins légers de la vie quotidienne.
On passe un bon moment, on rit, on pleure, on se laisse embarquer dans l'histoire et on suit avec attention les moindres rumeurs concernant l'intrigue. Et avant de conclure, je vous propose d'écouter Suddenly I See. Et voilà ce qui conclut cette petite chronique. Alors j'espère que ça vous a plu. On attend vos retours sur la page Facebook de Radio Coco. N'hésitez pas à échanger et à donner vos avis. Et enfin, je pense que la plupart des livres sont disponibles en ligne. Et sinon, je vous encourage à vous les échanger en respectant bien sûr les gestes barrières. Merci et à bientôt. Some folks just love to watch TV. All those commercials sure do annoy me. I love a good book, and if I choose, I'll read it all in one go. If I couldn't read, I wouldn't know half of what I know. I'll read standing up, sitting down in the tub, on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. Some guys just love a game of poker. Me, I don't know the difference between a jack and a joker. But when you read a book by Mosley, man, you can't lose. Yes, I'm talking about Walter, Rude R.L.'s Blues. Read it standing up, sitting down in the tub on the train. I've been turning pages since
since I first met Dick and Jane. About some Shakespeare, some folks wild about their Langston Hughes, some folks just love to read the Bible and shout out the news. As a child I love my Hardy Boys and my Nancy Drews. I'd read standing up, sitting down, kids used to call me the brain. I've been turning pages since I first met Dick and Jane. I'll read standing up, sitting down in the tub on the plane. I've been turning pages since I first met Dick and Jane.